faut savoir que dans son restaurant, d'abord, vous avez remarqué qu'il y a des objets d'art un peu partout. Ce sont des amateurs, ils collectionnent. Il faut dire que ce qu'ils collectionnent est tout à fait remarquable. Quand on connaît un peu l'art chinois, voilà, on va appeler M. Kai qui nous rejoint, il arrête de travailler lui aussi un petit peu, une minute. Et M. Kai et Mme Kai ont racheté cet établissement depuis maintenant 2011. Voilà maintenant 8 ans, un chiffre porte-bonheur en Chine. Lorsque j'ai présidé la commission d'admission il y a environ 3 mois, sur conseil de M. Ming qui est là, nous ne savions pas qui vous étiez. Nous avons découvert votre cuisine, votre accueil, et également le lieu. Car le lieu, je veux dire que partout où on tourne la tête, on peut s'apercevoir que les choses ont été, si je peux me permettre, chinées. Je veux remercier également, et elle va venir me rejoindre, Mme Laville, maire adjointe en charge du commerce et de l'artisanat, qui représente M. Jérôme Coumet ce soir. On peut l'applaudir, je connais l'agenda des élus. Alors je vais essayer d'oublier personne. Alors on va commencer, si on va voir par les dames, pour essayer d'être galant. Je remercie mon ami de très très longtemps, que j'aime beaucoup, qui a tellement de talents d'animation, et bien d'autres sur des pièces de théâtre aussi, et qui est super mamie, on n'en parle même pas, Sophie Darel, on peut l'applaudir, qui est là ce soir. Je voudrais aussi remercier Annie Davray, qu'on ne présente plus. Voilà. Mon ami avec qui je suis parti au Mexique, très grande journaliste de la presse du luxe et de la gastronomie, entre autres, Nadine Roth, qui est là aussi. Elle n'a pas changé depuis que je l'ai entendue chanter pour la première fois, il y a maintenant plusieurs années, on ne va pas dire combien. Indra, qui est là ce soir avec nous. Et maintenant, on va pas. Alors, si j'ai oublié personne. Si, la dernière fois, j'avais oublié quelqu'un quand j'ai remis le sceptre d'or à M. David Zikevich qui est là. Tout le monde s'en souvient, vous étiez ici. Voilà, c'était au Longchamp la dernière fois. J'ai oublié un jeune rappeur qui a beaucoup de talent. La dernière fois, je l'ai oublié parce qu'il y avait beaucoup de monde. C'est Guy Ange qui me fait l'amitié d'être là ce soir. Voilà, merci. Comme ça, c'est fait. Je n'oublierai pas. Je veux remercier également des gens, alors ce sont tous mes amis, je vais faire un peu comme Jacques Martin, mais c'est pourtant vrai. Le prince, bien sûr, Bokassa, qui est là aussi ce soir, qui nous fait remercier de sa présence. Alors, tout le monde dit que c'est mon grand frère, tellement qu'il a eu de belles émissions, et qui continue d'ailleurs, on ne le sait pas encore. On l'a vu chez Jordan, notre ami Jordan Deluxe aussi, dans d'autres domaines, mais tu verras que ça va s'arranger. Pascal est là aussi ce soir. Laurent Amar, qui est là, s'il vous plaît. Voilà. Chawa qui fait de très très belles photos, mais pas que ça. Elle est dans la mode, on présente tout Chawa aussi. Bravo aussi à toi Chawa d'être là, merci. Mon ami de très longue date, 30 ans d'amitié avec Denis Florencel, qui entre autres œuvre pour TGV. C'est quoi TGV déjà ? Tourisme, gastronomie et vin. Voilà, fallait le trouver, hein. TGV, Denis aussi qui est là. Il y a quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais que j'apprécie énormément, que je connaissais déjà bien avant. Alors ce soir, ce n'est pas Yvette qui est là. Parce que Yvette Le Glaire, tout le monde le connaît surtout sur ce nom-là. Mais dans Civi, c'est Daniel Dammartin. Et le 16 novembre, Yvette Le Glaire fait son cinéma. Il faudra aller voir mon ami Daniel Dammartin qui est là ce soir. On peut l'applaudir. Un monsieur, tout à l'heure je l'ai dit, qui est capable de vous expliquer la physique quantique nucléaire d'une façon très simple, en quelques phrases. Le seul qui est capable, depuis on va dire une cinquantaine d'années, de nous faire ça, c'est Michel Chevalet, mesdames et messieurs. Patrick Adler, tu sais très bien que j'ai beaucoup d'affection pour toi. Tu es un artiste à part entière, un imitateur comme j'ai eu l'occasion de connaître beaucoup. Patrick Adler est là aussi ce soir, des nôtres. Et je n'ai pas oublié, mesdames et messieurs, c'est pas tout à fait terminé, je vais essayer d'oublier personne. Il y a aussi un artiste qui a gagné les tremplins du talent l'année dernière, en janvier, cette année, plutôt en janvier, que j'ai décidé d'aider comme je le peux, mais il s'aide bien tout seul. Il vient de faire beaucoup de dates au Puy du Fou, notamment. Il est maintenant en symbiose. Il est dans l'Aicom aussi, une belle école de cam musical, c'est Sébastien Lex. Faut s'en souvenir, mesdames et messieurs. Et monsieur Charlie Kouassi, que je n'oublie pas, qui est coaché là-bas dans un coin. Charlie Kouassi, c'est lui qui a fait les ceintures d'or, il n'y a pas longtemps. Les gens qui font un peu d'art martiaux le connaissent.
Bref, merci à toi, Alain Robert. Merci à Abel Chibi, notre délégué au Maroc aussi qui est présent ce soir. Merci à vous tous. Alors maintenant, on va parler un petit peu de M. Caille. Ah si, M. Caille, lui, c'est un garçon qui, en l'an 2000, mesdames et messieurs, est parti de sa province avec rien dans les poches, sauf son courage et son savoir-faire professionnel, qu'il a acquis au fur et à mesure des années, pendant 11 ans, avant d'ouvrir son restaurant. En 2011, il avait déjà fait le tour des grandes cuisines, des grands chefs de cuisine chinois, thaïlandais et autres. Et avec son épouse, avec Madame Kai qui est là, et leur jeune fille, il a décidé d'ouvrir ce restaurant il y a maintenant 8 ans. Aujourd'hui, il nous a préparé, je peux vous assurer, un menu qui va, je pense, nous plaire. Il y a un peu de tout, il y a des soupes traditionnelles, il y a du homard, enfin il y a tout, vous allez voir, le menu est sur la table. Et notre fédération, c'est avant tout de mettre en lumière, madame, la ville, de mettre en lumière, par une distinction et une manifestation comme celle-ci ce soir, accompagnée de nos amis journalistes et de la presse, de mettre en lumière les valeurs professionnelles des gens qui travaillent pour le bien-être des autres. Car pour eux, on est assis, ils travaillent dur, mais nous, nous sommes en train de profiter quelque chose de magnifique, qui nous prépare chaque jour, et nos clients, à l'unanimité, notre commission de la mission a décidé de vous remettre dans quelques instants ces baguettes d'or qui sont là. Voilà. On va vous applaudir. On va vous applaudir encore une fois. Madame Laville, je vous passe le micro au nom de Monsieur Coumet. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue au nom du maire Jérôme Coumet. Nous sommes ravis de vous accueillir ici dans notre arrondissement du 13e, un arrondissement cosmopolite. Ici, nous ne sommes pas dans le quartier chinois, mais pour autant, vous avez un peu partout dans l'arrondissement de très bons restaurants, comme ici. Je suis aussi heureuse que ce soit vous qui receviez cette récompense cette année. D'autant que vous avez eu des difficultés, parce qu'il y a eu énormément de travaux dans ce quartier. Donc c'est bien que vous soyez récompensé aujourd'hui. J'ai l'honneur ce soir de vous remettre des baguettes d'or de la gastronomie traditionnelle. Voilà. On les applaudit bien fort. Voilà. Madame Kai, prenez le diplôme. Voilà. J'ai dit on les applaudit bien fort, c'est un peu mou. C'est moi qui suis là. Voilà. Et moi. Voilà, super. Bravo. Mais en tout cas, je partage ce choix. C'est une adresse qui a une très bonne réputation ici. Et donc, je suis très heureux que le 13e arrondissement reconquiert une fois de plus des baguettes d'or par intermédiaire. Bravo et encore une fois, merci pour ce que vous nous offrez au quotidien en termes de saveur et de goût. C'est extrêmement important pour notre 13e arrondissement. Et donc, je voulais vous remercier. Merci. On va appeler monsieur Mme Caille pour qu'il vienne faire une photo avec monsieur le maire. Comme disait mon ami Jacques Martin, sous vos applaudissements. Allez. Bravo. Merci. Bravo encore. Merci à vous. Voilà.